Enchanté. Yo les gars, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo très spéciale que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram ou même YouTube je crois. Mais souvent demandé quand je vous propose, quand je vous demande si vous avez des idées de vidéos sur Instagram, quand je vous pose des sondages, pardon. Vous êtes nombreuses à me demander un room tour ou un rangement make-up. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer mon rangement make-up, ça sera dans une prochaine vidéo. Pour aujourd'hui, ça sera que le room tour. Regardez, j'ai mis des fossiles, mais en fait, ça va pas du tout parce que je les ai trop mal mis. Et là, j'ai un espèce de star trop moche. Ça, du coup, ouais, j'ai mis des fossiles. Et vu que j'ai fait mes ongles dans la semaine, j'ai galéré un petit peu à les mettre. Mais c'est pas grave, du coup, voilà, si vous voyez qu'un fossile tombe par-ci, par-là, ne vous inquiétez pas. N'oublie pas de venir me suivre sur Instagram, hein. Et abonne-toi si c'est pas fait, au fait. Quand on rentre dans ma chambre, voilà, il y a la porte, et là j'ai accroché quelques gays. C'est des petits pilou-pilou, de petits sacs, le reste je les ai pas encore accrochés, parce que j'ai peur que ce soit trop lourd, voilà. Après, à côté de ma porte, il y a mon armoire, mais je vais pas vous le montrer parce que c'est vraiment en bazar. D'ailleurs, faudrait peut-être qu'un jour je pense à enlever ça, parce que bon, à force... en haut il y a plein de chaussures parce que je sais absolument pas où les mettre. Là il y a un pilou pilou, il faut que je le lave parce que bon ça doit être rempli de poussière. Là il y a une capuche d'ailleurs, ma mère a récupéré le manteau. Je pense qu'il faudrait peut-être que je refile la capuche. Dans cette poche je sais absolument pas ce qu'il y a. Enfin, bref voilà, en fait ici en haut c'est vraiment genre mes chaussures, mais il faut que je déblaye ça et que je mette d'autres chaussures. Ici à côté de mon armoire il y a mon rangement make-up. Je vous montre juste vite fait comme ça, voilà. Je veux dire, quand je ferai la vidéo rangement make-up, je vous montrerai vraiment tout ce qu'il y a dans les tiroirs, vous inquiétez pas. Rangement make-up. Donc en haut, j'ai voulu faire une petite décoration, c'est parti. Bon, ça de base, ça va sur ma porte, mais je l'ai pas remis depuis. J'avais un cadre ici, mais en fait, comment vous dire que le contour, il était bleu et ça me plaisait pas. Et puis en plus, il s'est cassé, donc... Bon alors, ça c'est un attrape-rêve, je ne sais plus d'où il vient. Alors ce cadre il vient de chez Action. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est moi qui l'ai imprimé bien sûr. Tout commence par un rêve. Voilà, moi j'ai toujours dit que tout commence par un rêve, mais qu'il faut réaliser ses rêves. Voilà. Celui-là, je l'ai repeint. On s'en fiche, du coup celui-là, je ne sais pas d'où il vient, il était à ma mère. Là j'ai mis une petite... photo comme ça parce que bah, je savais pas trop quoi mettre. Donc celui-là il vient aussi de chez Action, donc plus égal plus pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de Lena Situation. Et ce symbole je l'aime beaucoup, le positif attire le positif, donc voilà. Et puis moi j'aime bien, donc quand je la vois en fait ça me permet de rester positif dans ma vie, parce que si j'ai que du négatif, et ben enfin si je pense négatif, on a que du négatif dans la vie. Voilà, du coup c'est pour ça que je me suis mis un petit mot comme ça, parce que pour me dire que même si c'est qu'un rêve, que c'est dans ma tête, je peux réaliser mes rêves et du positif, voilà. Et puis bah là, pourquoi pas une petite image qui représente les voyages, même si j'ai peur des avions, mais bon, c'est pas grave. Bon, quand on tourne, là, il y a du bazar ici, il y a mon ancienne télé. Une valise, ça c'est la valise que j'avais pris quand j'étais chez Maine. Le carton, c'est les contours de ma light. Non, comment ça se dit? Les contours de ça en gros. Parce que je vais vous montrer. Là en fait j'ai fait du orange et du blanc. Et d'ailleurs elle est en train de chauffer. Donc je vais la baisser un petit peu. Là il y a mon lit mais il n'est pas fait. J'ai pas mis la housse de couette. Elle est dessous les... Dessous ma couette, ça c'est une couette avec des manches, genre, si vous voulez le mettre sur le canapé ou quoi. Là c'est un petit plaid, voilà, qui vient de chez Jiffy. Donc ouais, voilà, j'ai vite fait mon lit comme ça, parce que sinon ça faisait pas beau avec toutes mes petites peluches. Monsieur Trigrou, voilà, j'ai pas beau. Ça c'était mes doudous quand j'étais petite, donc ils sont là. Ça aussi c'était mon doudou quand j'étais petite, du coup c'est pour ça qu'il est super abîmé. Donc après ici il y a ma télé, d'ailleurs elle n'est pas très propre, peut-être que je fasse les poussières. Bon là il y a ma télé, là il y a trois petites plantes que j'ai eues à Noël aussi, donc je sais pas d'où ça vient. Une petite bougie que je crois que j'avais pris dans un magasin, mais alors lequel?
Je sais plus, je vais regarder si c'est marqué. C'est pas marqué. Donc je l'ai mise là parce qu'elle est grosse, elle est belle. Et en plus elle sent trop bon. Il y a ma console avec mes jeux. Voilà, voilà. Un décor. Après mais dans les parce que c'est un carré. Et en bas il y a rien. Si, ici il y a des décorations mais vraiment bidon. Voilà. En plus c'est plein de poussière donc je suis désolée. Il y a deux petites canettes de Monster, un ananas, là des bonbons pouilles que je dois jeter. Ici c'est vraiment un truc à bazar quoi, c'est un peu mélangé. Il y a mes trucs de sport, il y a mes trucs d'appareil photo, etc. Avant que je fasse du tricot. Donc après ici, là j'avais collé des stickers, je ne sais plus d'où ça vient. À chaque fois dans ma vidéo je dis je ne sais plus d'où ça vient. Mais je crois que genre à Action, Jiffy, il y en a donc... C'est pareil. Par contre celui-là, ouais, je crois qu'il vient de chez Jiffy. Quand c'était à la mode des ananas. Je le trouvais vraiment trop beau et ça faisait une petite couche de jaune donc je l'ai mis ici. Après là c'est une lampe. Il y a des petits poissons qui volent. Bon là du coup c'est pour ranger ma lumière. Bon après voilà il y a ma fenêtre. Ici j'ai mis une petite guirlande pour décorer. Ici j'ai un petit miroir. Salut les gars. Et c'est pour ça que mon cadre, il n'est pas placé au niveau de mon lit parce qu'avant mon lit il était vraiment genre ici et là-bas il y avait ma table de nuit. Du coup ça fait que le cadre il est pas du tout sous le lit mais bon ça choque personne, enfin moi ça me choque pas en tout cas. Dites-moi si ça vous choque mais perso moi ça me choque pas. Donc ce cadre il est vraiment trop beau, je le kiffe à mort. Par contre je crois qu'il vient de chez Jiffy. J'adore de toute façon, mais toutes mes décorations, la plupart du temps, viennent de chez Jiffy. Donc, Jiffy ou Action. Et encore, il y a plein de décos que j'ai pas mis. Donc, après, comment je mets là, c'est ma petite table de nuit. Ça, c'est mon bouchon de bouteille, donc faites pas attention. Vous savez qui c'est, ça? C'est ma petite Méline. Du coup, Méline, si tu passes par là, petit coucou à toi. Je t'ai mis dans la plante, hein, dans l'orchidée, tu vois. Parce que les orchidées, c'est beau, comme toi. Elle me dirait, faux cul. Bon, du coup, bah, pareil, Ikea, la plante, la fausse plante. Parce que c'est une fausse plante, bien sûr. Parce que moi, je suis pas mon cul des plantes. Elle vient de chez Ikea. Ça, c'est un infuseur, je crois que ça se dit comme ça. Un diffuseur d'odeur, d'huile essentielle. Un diffuseur d'huile essentielle, pardon. Je l'ai pris chez Jiffy, pas très cher en plus parce qu'il était en VIP. Vu que j'ai la carte, ben, ça m'est revenu beaucoup moins cher. Ouais, de chez Jiffy, il marche super bien, je suis pas déçue. Ma petite lampe, je l'aime trop. Elle vient d'où celle-là? Oh mon dieu, ça y est, je m'en rappelle plus. Je sais plus d'où ça vient. Oh, ça doit venir d'un magasin Conforama, Ikea, un truc comme ça. Hein. Donc après ici il y a ma petite brume Victoria's Secret que j'ai mis ici parce que je trouvais que ça faisait une petite... Oh, on voit rien. Je trouvais que ça faisait une petite touche de décoration. Bon voilà. Là c'est ma fausse rose. J'ai pas enlevé ça donc ça fait un peu moche. Mais bon moi qui suis Brutus j'ai peur de faire tomber ça et après qu'il se casse. J'ai laissé le machin. Donc ça je l'ai eu à Noël par Méline. Donc après ici j'ai mon petit miroir pour me regarder le matin. Mais je veux le changer parce que il me dérange. Je veux un grand miroir, vous savez, comme ça là, qui vient de chez Ikea. Il coûte 100 euros, je crois. Il est vraiment très grand, il vient jusqu'en bas. Et lui, il va pas jusqu'en bas, du coup, des fois, on voit pas mes pieds. Donc la guirlande, elle vient de chez Jiffy. D'ailleurs, regardez, elle est cassée. Et ce miroir, il vient de chez Conforama. Il y en a chez Jiffy aussi, mais bon. Et en fait, voilà. Des bijoux à l'intérieur. Donc après ici je me suis fait un petit coin. Là j'ai de base le tabouret, je devais l'utiliser pour ma make-up. Mais je trouvais que ça faisait joli de le mettre ici à côté de mon petit miroir. De mettre une fausse plante qui vient de chez Action. Avec une petite bougie qui vient de je ne sais plus où. De chez Emma aussi. Donc elle vient de chez Emma. Avec mon petit miroir qui vient de chez Action. De base il était sur ma make-upeuse. Ma make-upeuse c'est pas français ça. Sur mon bureau make-up. Mais du coup j'ai mis l'autre. Voilà. Puis je trouve ça sympa. Oui bon deux miroirs à côté ça fait bizarre. Mais je savais pas où le mettre. Bon ben ici ma petite lumière. Et voilà quoi.
petit room tour. J'espère que ça vous plaît, que ça vous plaira. Bon, la plupart des objets, je sais plus d'où ils viennent parce qu'il y en a, ça fait vraiment genre longtemps que je les ai. Donc c'est vrai qu'avec le temps, on oublie. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, la plupart du temps. Donc soit je vais chez Mal, soit je vais chez Jiffy, soit je vais chez Action, soit je vais chez Ikea. Et donc touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, de laisser un petit commentaire, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est très important pour pouvoir recevoir la notification quand je sors une vidéo du coup. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous, surtout respectez le confinement. Allez, à bientôt. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight